conséquences des violences faites aux femmes sur la santé des femmes, et notamment sur le problème gynécologique et obstétrico, sont vraiment une préoccupation pour toutes les équipes obstétricales, parce qu'ils sont en fait très fréquents. Et souvent, ces manifestations apparaissent pour la première fois au cours de la grossesse. Alors, on distingue différents types de conséquences. Bien sûr, les conséquences traumatiques, qui peuvent concerner le visage, le cou, tout le corps. Pour un gynécologue obstétricien, la question des conséquences des violences faites aux femmes est un problème très important et très sévère. Pour quelle raison? Parce que ces manifestations surviennent souvent pour la première fois au cours de la grossesse et elles sont source de complications majeures. Alors bien sûr, il existe des complications non liées à la grossesse, des complications traumatiques, comme au niveau du visage, du cou, au niveau de tout le corps, ce qui représente à peu près 45% des complications. Et ceci peut conduire, comme vous le savez, parfois à un décès. Il y a une femme qui meurt tous les 2 à 3 jours en France. Et alors il existe des complications chroniques qui sont l'aggravation en fait des pathologies chroniques comme le diabète, les pneumopathies, les colopathies, les anémies, les gastrites. Bien sûr, beaucoup de troubles psychologiques, émotionnels, cognitifs, psychosomatiques. Alors concernant les troubles psychiatriques, à type de dépression, de tentative de suicide, de toxicomanie, eh bien tout ceci est augmenté avec induisant un nombre d'hospitalisations considérables, l'usage de médicaments psychotropes, la survenue d'un stress et d'un syndrome post-traumatique dans 17% des cas, et dans 25% des cas après plusieurs épisodes violents. Et on considère qu'il y a à peu près un risque de tentative de suicide qui est multiplié par 10. Dans la gynécologie, alors bien sûr, lorsqu'il y a une violence, ces violences peuvent concerner directement les organes génitaux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des traumatismes génitaux, il peut y avoir aussi des infections génitales, ça peut être source bien sûr de troubles sexuels, ça peut être source même d'infertilité. Certaines études ont mis en évidence qu'il y avait une augmentation de la fréquence des fausses couches en fonction du type de violence. La question des IVG est une question complexe. Complexe parce que on s'aperçoit que c'est souvent une situation de conflictuelle avec le conjoint à cette occasion. Et on remarque qu'il y a une augmentation des interruptions volontaires de grossesse, 30% dans l'année qui précède cette violence. Et au cours de la vie d'une femme victime de violence, ça représente à peu près 40% des femmes, versus 14% de la population générale. Les interruptions volontaires de grossesse contraintes représentent à peu près 13% des situations, versus 2% de la population générale. Donc vous voyez que le facteur violence est un facteur qui est assez terrible pour ces femmes-là. Les interruptions volontaires de grossesse sont plus tardives aussi, dans à peu près 39% des cas. Et enfin, la répétition des interruptions volontaires de grossesse est beaucoup plus importante. Au cours du deuxième et troisième trimestre de grossesse, eh bien, les consultations vont être beaucoup plus tardives. Et ainsi, dans presque 16% des cas, les patientes consultent uniquement en fin de grossesse. En contrepartie, il y a beaucoup plus d'hospitalisations. On remarque qu'il y a à peu près, dans l'ensemble de séries, 45% de plus d'hospitalisations au cours de la grossesse. Concernant maintenant la prématurité, qui est un phénomène important pour les obstétriciens, eh bien, la prématurité, globalement, est multipliée par 2, quel que soit le type de violence. Et s'il existe une violence physique associée à une violence psychologique, la fréquence, la prévalence de la prématurité est multipliée par un facteur pratiquement 5. Et on remarque que si le nombre d'actes violents est multiplié au cours de la grossesse, eh bien ce risque de prématurité va augmenter de manière de plus en plus importante. Un autre problème pour les équipes obstétricales est le problème de l'hypotrophie, c'est-à-dire les enfants qui sont trop petits pour le terme de grossesse. Eh bien on s'aperçoit qu'il existe un risque multiplié par 1,8 d'hypotrophie et la prévalence des violences en cas d'hypotrophie est de 22% versus 5%, c'est-à-dire multiplié par 4. Un autre problème pour les équipes obstétricales sont les hémorragies au cours de la grossesse, et notamment les hémorragies rétroplacentaires, qui, comme vous le savez, sont dramatiques parce qu'en décollant le placenta, ça va entraîner la mort du fœtus. Eh bien, les hémorragies au cours de la grossesse sont multipliées par 3 chez les femmes qui ont été victimes de violences. L'augmentation du taux d'HRP, d'hématome rétroplacentaire, est multipliée par 1,8.
Et ceci va conduire à des morts fœtales avec un facteur de risque multiplié par 8 en cas de violence. Une autre préoccupation, bien sûr, ce sont les morts maternelles. Certains auteurs, notamment l'American College, a écrit que les violences domestiques, c'est-à-dire conjugales, étaient responsables de beaucoup plus de décès des femmes enceintes que toute autre cause unique, toute autre cause complication au cours de la grossesse. C'est évidemment dramatique. On s'aperçoit que la prévalence de la mortalité maternelle est augmentée lorsqu'il y a une violence avec un facteur 19. Dans une étude danoise, on a remarqué, on a mis en évidence que 16% des causes de mort maternelle étaient liées à des violences intrafamiliales. Donc accompagner ces femmes, c'est finalement casser la spirale de la violence. Accompagner ces femmes, c'est finalement éviter des violences vis-à-vis des enfants. Et c'est permettre de rétablir un climat favorable pour la construction de leur psychisme et ainsi peut-être diminuer la répétition de la violence. Accompagner et traiter ces femmes, c'est bien sûr au préalable repérer ces femmes. Nous voyons en consultation ou entretien des femmes qui ont aucun risque, donc sans le moindre risque, au moins 18 fois au cours d'une grossesse normale. On les voit 18 fois. 7 consultations, entretien prénatal précoce, 6 séances de préparation à l'accouchement, une consultation d'anesthésie, 3 échographies. Ça fait 18 fois. Je pense que nous avons le temps de poser une question, une seule question. Avez-vous été victime de violences physiques, sexuelles ou de harcèlement au cours de votre vie, jusque-là? Eh bien, cette question, on l'a posée en région des Pays de la Loire. La réponse était positive dans 20% des cas, dans 20% des cas. On pensait que c'était uniquement au niveau du CHU de Nantes. On a fait cette étude sur l'ensemble des maternités du département. Le taux variait entre 19,1% et 21,4%. Donc c'est un problème qui concerne une femme sur 5. En conclusion, c'est donc un phénomène très fréquent. Il faut donc le rechercher. Et par une seule et unique question autour de toute grossesse, avez-vous été victime de violences ou d'agressions physiques ou psychologiques au cours de votre vie jusque-là. Et ainsi, on pourra orienter, parce que ce n'est pas bien sûr notre expertise à chacun d'entre nous, on pourra orienter ces femmes vers des centres spécialisés qui vont pouvoir permettre une prise en charge pluridisciplinaire.